Bonjour, c'est Josué et dans cet audio, nous allons parler du thème selon lequel la foi nous permet d'obtenir la guérison. Vous devez comprendre que nous obtenons notre guérison à travers ce qu'on appelle la foi. Chaque fois que vous lisez dans la Bible, lorsque vous lisez la Bible, on vous dit que chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ guérissait quelqu'un, il avait toujours besoin de la foi de cette personne pour guérir cette personne. C'est la volonté de Dieu de guérir tout le monde, vous savez. C'est la volonté de Dieu de guérir les enfants, les femmes, les hommes, les Asiatiques, les Africains, les Américains, les Blancs, les Noirs, peu importe la culture, peu importe les origines. Peu importe qui nous sommes, c'est la volonté de Dieu de nous guérir. Mais ce qui nous permet d'obtenir la guérison, ce qui nous permet d'obtenir la santé dans notre corps de Dieu, provient de ce qu'on appelle la foi. La foi est une condition sine qua non à la guérison. C'est un élément indispensable à la guérison. Et ne vous inquiétez pas, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Donc, même pendant que vous êtes en train d'écouter ces messages audio, cela est en train de bâtir votre foi. La foi se bâtit par ce que vous écoutez tous les jours. Il y avait une dame qui était allée assister à un enseignement de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Et par la grâce de Dieu, elle a été guérie. Vous comprenez? Elle était paralytique et elle a été guérie. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle a été guérie? C'est tout simplement ce qu'on appelle la foi. Parce que le fait d'écouter la parole de Dieu a bâti sa foi et la foi lui a permis d'obtenir sa guérison. Maintenant, une fois qu'elle arrive chez elle, elle a rencontré un autre pasteur. Mais sauf que ce pasteur ne croyait pas à la guérison divine. Pour lui, la guérison divine était du diable. Pour lui, en fait, ce pasteur disait que Dieu ne guérit plus aujourd'hui. Du coup, elle s'est assise avec ce pasteur. Elle a commencé à discuter avec ce pasteur. Elle a commencé à parler de beaucoup de choses avec ce pasteur. Et le pasteur faisait que lui expliquer des choses. Jésus ne guérit plus, c'est fini, le temps des miracles n'existe plus, vous ne pouvez pas être guéri de votre maladie incurable, c'est pas la peine, ne luttez pas, beaucoup de mauvaises choses. Et ils étaient chez elle, elle était chez elle, quoi. Donc le monsieur était chez, ils étaient assis au salon et ils discutaient, ils parlaient. Et lorsque le monsieur était sur le point de partir, il se lève, il demande à la dame de l'accompagner. La dame n'arrive plus à se lever. La paralysie dont elle avait été guérie était revenue. Vous savez pourquoi c'était revenu? Tout simplement parce que, de la même façon que la foi vient du fait d'écouter la parole de Dieu, l'incrédulité aussi vient du fait d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont du mal souvent à être guéris? C'est tout simplement parce qu'ils ont écouté des enseignements qui leur ont dit qu'ils ne peuvent pas être guéris. Alors que si vous voulez être guéri, vous devez écouter les enseignements qui traitent de la guérison divine. Et plus vous écoutez les enseignements qui traitent de la guérison divine, plus cela va développer votre foi. Et plus votre foi va être développée, plus vous allez être guéri. Un jour, je souffrais, vous savez, c'est même pas un jour, à l'époque, je souffrais d'une allergie particulière par rapport à ma peau. Et j'ai pris un livre sur la guérison divine de T.L. Osborne, La guérison biblique. Et j'ai commencé à lire ce livre. Je lisais ce livre, je lisais ce livre. Et c'est un livre que j'apprécie particulièrement. J'apprécie beaucoup ce livre. Je l'ai lu et relu et relu. Et cette allergie est partie. Sans que je m'en rende compte, cette allergie est partie. Pourquoi? Parce que le fait d'écouter la parole de Dieu produit la foi et la foi produit la guérison. Aussi incroyable que cela puisse paraître, vous devenez ce que vous écoutez.
Pourquoi la Bible dit par exemple de ne pas marcher avec des mauvaises personnes? Vous savez c'est pourquoi? Parce que ce que ces personnes vont vous dire va détruire votre foi. La Bible dit par exemple que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que lorsque vous marchez avec des personnes qui sont incrédules, qui ne croient pas à la guérison et que vous les écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez finir par ne pas croire en la guérison. Même si vous croyez à la guérison au départ, mais vous allez finir par ne plus le croire. Pourquoi? Parce que vous écoutez des mauvaises personnes. Comprenez bien ceci. C'est par la foi que nous obtenons notre guérison. La foi est un élément primordial pour obtenir la guérison. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les personnes qui obtiennent la guérison par leur propre foi, dans 95% des cas, ne les perdent jamais. Mais lorsque vous voyez les gens qui perdent souvent leur guérison, c'est des gens qui ont obtenu leur guérison, ils n'ont pas obtenu leur guérison à travers leur propre foi, mais ils ont obtenu leur guérison à travers un don spirituel. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la Bible les dons spirituels. Parmi les dons spirituels, il y a les dons de guérison, les dons de miracle, qui sont considérés comme des dons de puissance. Donc, vous pouvez aller assister à une campagne d'évangélisation d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu prie pour vous et vous êtes guéri. Mais si ce n'est pas votre propre foi, qu'est-ce qui va se passer? En général, ces personnes qui sont guéries par les dons spirituels perdent leur guérison. Mais lorsque vous êtes guéri par votre propre foi, lorsque vous utilisez votre propre foi pour vous guérir, lorsque la foi que vous avez, vous l'utilisez pour guérir votre corps par la grâce de Dieu, en général, vous ne la perdez pas. Et je le répète, c'est en écoutant la parole de Dieu dans le domaine de la guérison que vous développez votre foi dans le domaine de la guérison. Ces audios que je vous envoie, plus vous les écoutez, plus vous êtes en contact avec elles, plus vous les écoutez, ça va produire la foi et ça va produire la guérison. C'est-à-dire que vous allez commencer à remarquer un améliorement dans votre vie, dans votre santé. Sans que vous allez vous en rendre compte, vous voyez. En fait, la parole de Dieu agit comme un médicament. La parole de Dieu dans le domaine de la guérison agit comme un médicament. Vous voyez ces audios que vous êtes en train d'écouter? Vous ne vous rendez pas compte de ça, peut-être, mais vous allez remarquer qu'au bout d'un certain temps, c'est-à-dire à force d'écouter, vous allez remarquer qu'il y a un rétablissement dans votre santé. Pourquoi? Parce que c'est ce que produit la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Ça va produire la foi et la foi va produire la guérison. Jésus allait de lieu en lieu et il enseignait. Lorsque vous lisez la Bible, si vous prenez les évangiles, par exemple l'évangile de Matthieu, vous allez voir que les endroits là où Jésus faisait des miracles, c'est les endroits là où Jésus enseignait. Le seul endroit là où Jésus n'a pu faire aucun miracle, vous savez c'est où? C'est à Nazareth. Et vous savez pourquoi Jésus n'a pu faire aucun miracle à Nazareth? Parce que les gens de Nazareth ont refusé son enseignement. Lorsque Jésus a dit à Nazareth, l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les gens, pour guérir les malades. Lorsqu'il a commencé à prêcher la parole de Dieu, les gens de Nazareth l'ont rejeté. Les gens de Nazareth l'ont rejeté. Ils ont rejeté son enseignement. C'est pour cela que lorsque vous lisez même la Bible vous dit que lorsque les apôtres allaient quelque part, ils enseignaient l'évangile. Ils enseignaient ce qu'on appelle le plein évangile. C'est quoi le plein évangile? Le plein évangile, c'est que Jésus nous sauve pour aller au ciel. Jésus guérit notre corps et Jésus veut que nous soyons aussi délivrés de toutes sortes de maux. Donc, vous devez comprendre que c'est pour ça que les apôtres guérissaient les malades. Mais Jésus leur a dit quoi? Jésus leur a dit, là où on va vous rejeter, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Pourquoi? Parce que pour obtenir la guérison, il faut écouter la parole de Dieu.
Il faut écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va donner la foi. Et la foi va produire la guérison. Beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas souvent leur guérison parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Moi, je vous dis, en fait, vous savez, c'est simple. Vous avez simplement qu'à écouter mes audios. C'est-à-dire, prenez du temps, asseyez-vous, écoutez mes audios. Simplement, écoutez-les. Ça va produire la foi. Vous savez, c'est simple. La foi, écoutez, je le répète, en écoutant mes audios, les audios que je suis en train de vous envoyer, vous allez être guéri. Je vous assure. C'est des choses que moi-même, j'ai mis en pratique. J'ai des audios que j'écoute. J'ai des livres que je lis parce que c'est le fait d'écouter la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, ça va permettre un rétablissement dans votre corps. Je vous le dis, écoutez, peu importe la maladie dont vous souffrez, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être le cancer, ça peut être n'importe quelle maladie. La parole de Dieu peut guérir ça. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 4 que la parole de Dieu est un médicament. C'est un médicament. Et elle produit la foi. Et la foi produit la guérison. Je vous ai dit que, il y a une vidéo même, je pense, là où j'ai enseigné dessus. Là où je dis que la foi, c'est le fait d'agir sur la parole de Dieu. En fait, la foi, c'est quoi? C'est que la parole de Dieu est tellement entrée dans votre cœur, c'est-à-dire que les enseignements de la parole de Dieu sont tellement entrés dans votre cœur que vous commencez à agir naturellement. Il y avait une dame, j'avais lu un jour un livre d'un homme de Dieu. Il avait écrit un livre, vous savez, et la femme il avait fait un audio. Et la femme écoutait son audio. Vous comprenez, c'est un homme de Dieu. Il est plus de ce monde. Un Américain, un Afro-Américain. Et pendant qu'elle écoutait son audio, c'était une femme qui avait des difficultés à marcher. Vous comprenez, elle avait du mal à marcher. Son pied gauche avait vraiment des problèmes. Elle avait du mal à marcher. Et elle marchait. Et elle faisait un peu le ménage à la maison, tout ça. Et elle écoutait l'audio. Elle avait du mal à marcher, hein. Et un jour, pendant qu'elle écoutait l'audio, elle n'avait même pas remarqué. Oh, Dieu est merveilleux. Elle n'avait même pas remarqué qu'elle marchait déjà convenablement. Avant, c'était une femme qui boitait en marchant. Mais sans qu'elle s'en rende compte, elle marchait déjà convenablement. C'est après qu'elle se rend compte, mais je ne boite plus. Quand elle regarde comme ça, mais je marche. Elle a commencé à louer Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dans le domaine de la guérison est tellement entrée en elle que sans qu'elle s'en rende compte, elle a été guérie. La Bible dit, hein, Jésus va dire que le royaume de Dieu est semblable à une graine, vous comprenez? Une graine que l'on met dans la terre, vous comprenez? Il va prendre l'exemple de la graine de moutarde, c'est-à-dire le grain de sénévé, la graine de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'on l'arrose, elle devient un grand arbre. Et c'est ça la foi pour la guérison. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu pour la guérison, vous savez, lorsque vous arrosez un arbre, vous comprenez, vous ne savez pas comment il grandit. Même vous, prenons même votre cas. Lorsque vous étiez tout petit ou toute petite et qu'on vous donnait de la nourriture à manger, vous étiez en train de grandir, mais vous ne vous rendiez même pas compte que vous étiez en train de grandir. C'est la même chose que la parole de Dieu dans le domaine de la guérison fait. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, comme ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce qui va se produire, c'est quoi? C'est qu'à force de l'écouter, la guérison est en train de se produire dans votre corps, mais vous ne le remarquez pas vous-même. Et vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous allez commencer à faire sans que vous-même vous ne vous en rendez compte.
C'est peut-être après quelques temps que vous allez vous rendre compte que, mais j'arrivais pas à faire ça avant. Mais maintenant, vous réussissez à le faire. Parce que la parole de Dieu agit comme un médicament. La parole de Dieu dans le domaine de la guérison agit comme un médicament. C'est pour ça, moi, je dis que vous allez témoigner. Je vous dis que vous allez témoigner. Parce que j'ai vu ça dans plein de cas. Dans plein de cas, j'ai vu ça. Les gens à qui on enseigne la guérison et ils obtiennent leur guérison. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle John G. Lake. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur américain dans le domaine de la guérison divine. Moi, j'écoute beaucoup les pasteurs américains parce que... les pasteurs américains qui sont... Bon, la plupart sont déjà au ciel. Mais c'était des pasteurs qui étaient vraiment dans la guérison. Et il explique que lui, il avait emmené des malades. Il avait ce qu'on appelle des salles de guérison. Là où il emmenait des malades et il prêchait. Et il avait emmené des malades dans son église et il avait dit... Je vous donne un mois. Il dit, je vais vous enseigner la guérison divine pendant un mois. Et dans les un mois, 90% d'entre vous, vous serez guéris. Et dans les 6 mois, tout le monde sera guéri. Et devinez quoi? Effectivement, en un mois, 90% des personnes étaient guéries. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter la parole de Dieu, la foi vient de l'enseignement de la parole de Dieu. La foi vient de l'enseignement de la parole de Dieu. La foi, en fait, la foi, ça ne se force pas. Vous comprenez? La foi pour la guérison ou la foi pour toute autre chose, ça ne se force pas. La foi, il suffit simplement d'écouter. Écoutez, c'est comme la nourriture. Quelqu'un ne va pas dire, je me force à grandir. Si par exemple, vous avez votre frère ou votre sœur ou votre ami qui vient vous voir, et il vous dit, j'ai envie de grandir. Vous allez lui dire quoi? Mange simplement. Si tu manges, tu vas grandir. Si tu bois du lait, tu vas grandir. Il n'a pas besoin de se forcer. C'est la même chose avec la foi pour la guérison. Je vous ai dit que la guérison divine s'obtient par la foi. Vous comprenez? Et comment obtenir la foi? Il faut simplement écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, vous écoutez simplement l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous aurez un témoignage. Vous aurez un témoignage. C'est simple, vous aurez un témoignage. Et les gens vont commencer à voir que vous vous rétablissez. Ils vont se poser des questions. Écoutez, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut bloquer la parole de Dieu. Aucune. En fait, la parole de Dieu et la puissance de Satan... C'est comme la lumière et la nuit. Lorsque la lumière apparaît quelque part, la nuit, c'est-à-dire les ténèbres, c'est-à-dire le noir, est obligé de reculer. Oui, lorsque le soleil se lève, vous n'allez jamais voir la nuit rester. Le fait que le soleil arrive avec sa lumière chasse les ténèbres. C'est la même chose avec la parole de Dieu dans le domaine de la guérison et la maladie. Plus vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, et cela va produire ce qu'on appelle la guérison dans votre corps. Parce que la foi nous permet d'obtenir la guérison, et la guérison s'obtient par la parole de Dieu. La guérison s'obtient par la parole de Dieu. La guérison s'obtient par la foi. La guérison s'obtient par l'écoute de la parole. Moi, je bénis Dieu parce que moi, je sais que vous serez guéri. Je ne le dis pas par vantardise, par orgueil, mais je le sais. Je sais que vous serez guéri. C'est pas, écoutez, parce que ce n'est pas des paroles de motivation. Hein. Je vous dis ce qui va arriver. Je vous dis ce... Vous savez, si quelqu'un... Écoutez, c'est simple. Si quelqu'un monte sur le toit, sur un toit d'immeuble de 5 étages et qu'il vous dit « je vais sauter », vous savez déjà ce qui va lui arriver. Et il vous dit « je vais sauter », vous savez déjà ce qui va lui arriver. Vous n'avez pas besoin de le voir. C'est-à-dire, si vous dit « je vais sauter du 5e étage », dans votre tête, vous savez que « s'il se lève, s'il saute du 5e étage, c'est la mort assurée. Vous le savez.
C'est certain. Il n'y a même pas besoin de réfléchir ou quelque chose. C'est la même chose avec la parole de Dieu sur la guérison. Si vous écoutez la parole de Dieu sur la guérison, c'est certain. Il n'y a même pas 90% de chance. Il y a 100% de chance. Je dis bien 100% que vous serez guéri. 100%. Je vous le garantis. Et je vous le dis, vous-même, vous allez témoigner. Vous allez m'envoyer le message. Oh Josué, je vois vraiment un grand rétablissement. Oh vraiment, la guérison s'est produite. Oh Jésus est grand. Vous allez témoigner. Je vous le dis. Parce que c'est certain. C'est certain. De la même façon que je sais que si quelqu'un monte sur le toit du 5e étage pour sauter et que je sais qu'il va mourir, de la même façon, je sais aussi que celui qui écoute la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, qui demeure dans la parole de Dieu, dans le domaine de la guérison, va obtenir sa guérison. Je le sais. Je le sais. C'est une certitude. C'est pour ça, je vous dis même, vous n'avez même pas à avoir peur. Écoutez simplement la parole. La parole de Dieu va agir comme un médicament en vous. Ça va agir comme un médicament en vous qui va créer la guérison. Peu importe ce que vous avez. Peu importe ce que vous avez. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prêcher et d'enseigner. Parce que l'enseignement que vous écoutez va produire ce dont elle parle. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu vous donne la foi. Vous savez, la foi en réalité ne vient pas du fait de lire la Bible seulement. Mais en grande partie, en général, dans 80% des cas, la foi vient de l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que les apôtres n'avaient pas la Bible? Vous le savez, ils n'avaient pas le Nouveau Testament parce qu'ils étaient en train de l'écrire. L'apôtre Pierre n'avait pas la Bible. L'apôtre Paul n'avait pas la Bible. C'est quand ils étaient maintenant vers leur mort qu'ils ont écrit le Nouveau Testament. Mais ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Comment ont-ils eu la foi? La foi est tout simplement venue de l'enseignement qu'ils écoutaient. C'est l'enseignement qu'ils écoutaient qui a produit la foi. C'est pour ça que Jésus nous a dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Parce que moi, j'ai vu que Jésus m'a libéré. Vous comprenez? Jésus m'a libéré de la maladie. Jésus m'a guéri de la maladie. Vous comprenez? Je sais que Jésus m'a sauvé, m'a permis d'aller au ciel, mais je souffrais de la maladie. Et en écoutant l'enseignement de la parole de Dieu, dans le domaine de la guérison, Jésus m'a guéri. Et de ce fait, moi je me dis que quoi? Je me dis que, ah, j'ai envie de partager ça aux autres. Que de la même façon que Jésus m'a guéri, je sais que Jésus peut aussi les guérir. Et c'est ce que je fais. Et cela va produire la guérison. La foi nous permet d'obtenir la guérison divine. La foi nous permet d'obtenir la guérison qui vient de Dieu. La foi nous permet d'obtenir la guérison qui vient de Dieu. Et la foi vient tout simplement de l'écoute de la parole de Dieu. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez témoigner, je vous le dis. Ce que vous êtes en train de faire, vous allez témoigner. C'est la même chose qu'un frère, que je connais. Lui aussi, c'est pareil. Il m'écrit, bon, et bon, pendant que je fais cet audio et que vous écoutez, lui aussi, il est en train d'écouter cet audio. Et il m'a envoyé un message. Il m'a dit, n'oublie pas de m'envoyer les audios. N'oublie pas. Il m'a dit, non, homme de Dieu, n'oublie pas de m'envoyer les audios sur la guérison divine. J'ai dit, waouh, waouh, incroyable, incroyable. Mais comment voulez-vous qu'une telle personne ne soit pas guérie? Comment voulez-vous qu'une telle personne ne reçoive pas sa guérison? Il va manifester sa guérison. Tôt ou tard, ça va se faire. Comment une telle personne... Parce que... Écoutez, c'est comme la nourriture. C'est comme si quelqu'un dit, écoutez, si quelqu'un se met tous les jours à aller manger les hamburgers, vous savez que quoi? Il va grossir. Vous savez ça? Si quelqu'un se met tous les jours à manger des produits gras,
Les hamburgers, les frites, les kebabs, les trucs comme ça. Les pizzas. Vous savez que cette personne va grossir, beaucoup grossir. Si une personne se met à manger beaucoup de légumes, vous savez que cette personne va maigrir. Vous le savez. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, de trop. Vous le savez. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si vous écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison, vous allez guérir. Vous allez guérir. C'est même pas de. En fait, c'est la parole de Dieu est aussi logique que les choses naturelles. Si vous voulez comprendre les choses spirituelles, faut regarder les choses naturelles, comment ça marche. Vous comprenez? Si quelqu'un se met à manger beaucoup de légumes, les légumes qu'il mange vont avoir un impact sur lui. De la même façon, si quelqu'un se met à écouter la parole de Dieu dans le domaine de la guérison divine, l'écoute de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison va produire la guérison dans son corps. Je vais vous prendre un exemple avec autre chose, un autre truc. Par exemple, moi, à un moment donné de ma vie, je marchais dans le manque de pardon. Vous comprenez, j'avais le manque de pardon en moi, vraiment le manque de pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ah Seigneur, j'ai le manque de pardon. Le Seigneur m'a dit, commence à écouter les enseignements sur l'amour. Et j'ai commencé à écouter les enseignements sur l'amour. Il faut pardonner, il faut aimer. Et devinez quoi? J'ai commencé à marcher dans l'amour. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je marche dans l'amour? Parce que j'écoutais les enseignements qui traitent de l'amour. Vous comprenez? J'écoutais les enseignements qui traitent de l'amour. Et maintenant, quand j'avais aussi besoin de guérison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de guérison. Le Seigneur m'a dit, ok, écoute les enseignements dans le domaine de la guérison. Et j'ai écouté les enseignements dans le domaine de la guérison. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez obtenir votre guérison. Le royaume de Dieu, c'est comme un magasin. Je ne sais pas, lorsque vous rentrez dans un magasin, il y a différents endroits. Il y a des endroits là où on vend telle chose, il y a des endroits là où on vend telle chose, et il y a d'autres endroits là où on vend encore d'autres choses. Par exemple, admettons que vous entrez dans une épicerie, par exemple. Il y a des endroits là où on peut vous dire que non, là on ne vend que de la viande. Un autre endroit, on va vous dire non, là on ne vend que des légumes. Un autre endroit, en fait, il y a ce qu'on appelle des rayons. Voilà, il y a ce qu'on appelle des rayons. Il y a les rayons produits laitiers, il y a les rayons charcuterie. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des rayons. Il y a le rayon de la guérison divine, il y a le rayon du salut, il y a le rayon des finances, il y a le rayon de la prière, il y a le rayon de la grâce. Il y a le rayon de l'amour, il y a différents rayons. Et maintenant, si vous voulez obtenir quelque chose de Dieu, vous devez écouter les enseignements dans le rayon dont vous avez besoin. Donc, par exemple, la guérison divine, si vous avez besoin de la guérison divine, vous devez écouter les enseignements dans le rayon de la guérison divine. Par exemple, il y a des chrétiens, ils écoutent la parole de Dieu dans le domaine des finances alors qu'ils ont besoin de la guérison. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais si vous avez besoin de la guérison, n'écoutez pas la parole de Dieu dans le domaine des finances. Écoutez la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous devez comprendre ça. Nous sommes bientôt au terme de cette vidéo parce que j'ai décidé de faire des audios de 30 minutes. Et je les fais tous les jours. Je vous enverrai des vidéos de 30 minutes tous les jours. Je ne sais pas si vous avez de l'espace dans votre téléphone. En tout cas, je l'espère. Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier et nous allons remercier Dieu parce que je sais que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Remercions Dieu maintenant, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour la guérison que tu es en train de produire dans nos corps. Merci Seigneur qu'à travers ces audios, tu permets que la guérison soit en train de s'opérer dans notre corps. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la santé. Même si notre corps peut nous dire que nous sommes toujours en mauvaise santé, nous te remercions parce que tu es en train de produire la guérison en nous. Nous te remercions parce que tu es à l'œuvre en nous. Merci Père pour la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Amen, 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 amen. Portez-vous bien. Nous nous retrouvons demain pour un prochain audio que je vous enverrai. J'espère que vous avez simplement l'espace dans votre téléphone. J'en ferai tous les jours, hein. Et ou dans tous les cas, bon, en tout cas, vous payez une carte mémoire, moi je sais pas. Bon, portez-vous bien, à demain.